L'animateur télé Christophe Beaugrand a été la cible de nombreux commentaires homophobes. Le cyberharcèlement a commencé après que l'animateur a relayé un sondage du Parisien sur son compte X le 22 octobre. Christophe Beaugrand se réjouissait notamment de deux chiffres intéressants sur l'état d'esprit des Français. 67% des Français sont favorables à l'adoption par des couples homosexuels et 63% des Français sont favorables à la GPA. Un sujet qui tient à cœur à l'animateur de TF1 qui a eu recours à ce processus aux États-Unis. En France, la GPA est aujourd'hui encore interdite. On arrive à la GPA. La suite, c'est polygamie, zoophilie, pédophilie, en abaissant l'âge de la majorité sexuelle. Oh, voici une vision de l'enfer. Du courage à l'enfant qui n'a rien fait mais qui est obligé de se coltiner ce calvaire sans rien dire. Si deux hommes pouvaient élever, croyez-moi que la nature aurait fait des hommes enceintes. Non, non, nous ne sommes pas tous comme vous, et moi je ne peux accepter l'inacceptable et le contre-nature. Stop. Christophe Beaugrand a réagi sur son compte. Je sors d'un nouveau raid numérique homophobe particulièrement violent. On a beau se blinder, prendre de la distance, il y a des moments où on est plus fragile que d'autres, où ça vous touche davantage. J'ai reçu des messages immondes. Je n'en peux plus. Arrêtez, s'il vous plaît.